C'est ça. Et en fait, ça dépend surtout du facteur religieux, je crois. Je crois que dans les zones où vraiment domine le facteur religieux, qui sont contre la parité et qui le disent ouvertement, hein, les femmes ont peur. Et puis en plus, elles n'ont pas les capacités, elles n'ont pas la formation pour se défendre et pour défendre leur position. Quelquefois, il suffit d'une seule femme comme elle dans son village, mais qui a fait évoluer tout un territoire. Parce qu'elle fait de la sensibilisation, on l'a aidée à organiser des séminaires, des tournées, des journées d'études. Ça s'apprend, hein, je crois, la parité. Ça s'apprend. Et puis, il y a surtout la polygamie. Je pense que comment imposer la parité dans une communauté polygame, je ne vois pas. Vraiment, sincèrement, je ne vois pas. Il y a quand même une dichotomie là, qui est difficilement surmontable. Pas du tout. Enfin, politique, politicienne, absolument pas. Ça, je n'ai jamais. Les assises n'ont jamais été politiques. Elles ont été politiques au sens premier du terme, c'est-à-dire on s'est occupé de la cité. Les assises, on a revu l'histoire du Sénégal depuis l'indépendance jusqu'à 50 ans en avance. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux? Voilà la trajectoire des assises. Et on a eu des gens tellement extraordinaires à la tête qui nous ont permis vraiment de faire un chemin. En trois ans, on a vraiment beaucoup, beaucoup progressé, avancé, vu clair aussi. On a vu clairement ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, reste aux politiciens. Tout est dans le rapport général, hein. Tout est là. Il suffit de prendre le rapport, d'appliquer. Je crois que les dirigeants n'ont plus à se casser la tête. Le Kaïdu a été invité et c'était une de mes collègues, la Fatou, qui avait été choisie. Moi, je ne savais même pas ce que c'était que les assises. Et un jour, elle me dit, mais tu devrais venir. On a des débats très intéressants. On est en train de mettre en place des commissions pour évaluer. Donc, je suis allée et je suis tombée sur Ibrahima de Mamadou Mbodj du Forum Civil. On était en avance tous les deux, on était au Teroubi. Et je vois Mamadou qui me dit, mais viens, tiens, tu es en avance. Et il me dit aussitôt, vous le Kaïdu, là, j'admire votre façon de travailler. Vous ne faites pas de bruit, on n'entend pas parler de vous. Mais partout où nous allons, en brousse, dans n'importe quel village, le Kaïdu est connu. Continuez comme ça. Bon, on a continué à travailler, à discuter, et c'est comme ça qu'ils m'ont embarqué dans une commission. Et vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir de travailler avec des gens comme Mokhtar Mbo, comme Mansour Kama, comme Mamadou Loum, enfin des gens d'une ouverture d'esprit et d'une envergure qui m'ont réconcilié avec le Sénégal de 62. Vraiment, j'ai retrouvé vraiment ce qui m'avait fait rester au Sénégal. Cette intelligence et cette générosité du cœur, des gens qui n'attendaient rien, on a tout payé de notre poche, on n'a jamais eu un franc pour travailler aux assises. On travaillait jusqu'à 2 heures du matin des fois, mais avec un enthousiasme que... Et j'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir associer des gens de l'Église. J'ai fait des demandes partout, dans les chorales, chez les jeunes, j'ai jamais vu personne. Mais la principale, l'adjointe du président, c'était une femme catholique de Wakam, qui est décédée maintenant, mais qui a beaucoup, beaucoup influencé les assises, beaucoup. Par son intelligence, sa discrétion... Marie, elle a vraiment beaucoup, beaucoup fait évoluer les débats. Donc l'Église était quand même présente.
Non, pas du tout. Demander à mes enfants, j'ai jamais aimé parler de moi et raconter ma vie, ça n'intéresse personne. J'ai fait que rassembler tout ce que j'ai découvert, appris, entendu pendant 25 ans avec tous les membres qui ont travaillé sur les droits humains avec moi. Parce que c'est ça qui nous guide, hein, la paix, la justice, c'est tout. S'il y avait un peu plus de justice dans l'Église et de paix, chez les chrétiens, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Mais c'est difficile de les faire bouger. Hein. Je n'ai eu la chance que de connaître Paul VI. Et qui m'avait beaucoup impressionné. Je l'ai vu à deux reprises, mais sur la Cédia. Hein. Donc, quand on est en bas, dans la Saint-Pierre, et qu'on voit le pape sur une chaise à 5 ou 6 mètres de haut, c'est un peu spécial. J'ai côtoyé Jean-Paul II à Ziguinchor, je l'ai vu, on est resté 15 minutes à 20 mètres de distance. J'étais parti à Ziguinchor. Quand il a célébré la messe là-bas, je voulais voir sa position vis-à-vis du mouvement révolutionnaire, du MFDC, et qu'est-ce qu'il allait dire aux Casassais. Et il leur a dit vraiment, le sang a assez coulé, il faut arrêter. Et j'ai trouvé chez lui, vraiment au point de vue physique, hein, une densité de foi et une grande souffrance. C'est un pape que j'ai... Et mon amie de Gorée, là, qui l'a vu, elle, pendant toute une cérémonie à l'église de Gorée, elle a eu exactement la même réaction que moi. J'ai trouvé Jean-Paul II un homme vraiment très, très... qui portait la souffrance, vraiment. Il était déjà très malade à l'époque, hein. 92, mais il m'a beaucoup impressionné. Et puis François, bon, vraiment, tous ces voyages, je les suis de A à Z parce que c'est tellement dense et tellement riche et tellement diversifié aussi. Il va vraiment là où l'Église a besoin d'être. Je pense qu'il a la force de l'Évangile, il la manifeste vraiment. La joie et la force de l'Évangile. Et je pense que c'est ce que les prêtres doivent faire. Les jeunes prêtres, je les encourage vraiment à ça. Sur le Fèvre, je l'ai vu 15 minutes le jour de son départ, c'est tout. Donc vraiment... Et Monseigneur Tiandoum, on a beaucoup travaillé ensemble. Quand il m'a remis ce diplôme-là, il ne savait pas que je faisais partie de la formation théologique. Là. Il m'a dit « Ah bon, tu es là en plus ?» Et puis Benjamin, bon, il n'y a pas de problème. Adrien, on a fait nos études ensemble à l'université. L'évêque de Thiès aussi, il est très proche de nous, parce qu'on l'a connu vraiment tout jeune à Mont-Roland. Non, j'ai aucun problème avec les évêques. J'ai beaucoup aidé au niveau de Tambacounda et Kédougou, par exemple, à l'amélioration du niveau d'abord de formation des enseignants. Et puis à la structure des écoles, ces fameuses écoles de brousse, là où les gens ont à peine de quoi vivre, 20 ou 25 000 francs par mois, mais c'était... Donc l'évêque, quand j'avais posé la question, on m'a dit qu'il n'y avait aucun prêtre, aucun laïc qui était prêt à faire la formation au centre de Mbou. Donc quand je suis partie à Salemata, j'ai posé, il y avait les enseignants qui étaient là, qui étaient réunis pour le BFM, je leur ai dit, voilà ce que l'évêque dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont hurlé en disant, si tu veux, on t'en donne 6 aussitôt. Donc je les ai pris au sérieux et j'ai cherché, bon il a fallu quand même que je trouve 600 000 francs dans une année, c'était pas facile, j'ai appelé un peu tout le monde à l'extérieur
Et je suis arrivée à assurer la formation à Mbourg, au centre de Mbourg, d'un bassari, Jean-Baptiste, qui a fini quand même avec 13 de moyenne. On est allé à la remise de son diplôme, il était tellement ému. Et j'ai écrit à l'évêque de Tamba, voilà. Je lui ai envoyé la copie de ses notes, j'ai dit voilà, un bassari qui a réussi et qu'on est content d'avoir pu amener jusqu'au poste. Maintenant, il faut lui assurer pour qu'il puisse passer son comment on appelle ça, pas son brevet, mais son CAP. Et il lui a donné un poste à Kédougou. Je ne sais pas où il est d'ailleurs actuellement, Jean-Baptiste. Et j'ai appris l'année suivante qu'il a envoyé un prêtre en formation. Donc ça a quand même fait boule de neige. Et c'est trop facile de dire que personne n'a le niveau. Le niveau, on le cultive. Hein. On peut le développer. Actuellement, on est dans une distribution de livres à travers tout le Sénégal. On a choisi des villages vraiment très, très, très abandonnés, hein, il faut le dire. Pour relever le niveau de français des élèves, ma famille nous a envoyé 650 livres. Elle est venue chercher son carton. C'est des gens qui vont animer des bibliothèques dans ces zones-là. Dans des zones très, très... Il faudrait que vous approchiez peut-être le président actuel du CAEDU, parce que moi je me suis retirée de tout. C'est François Mendy, il enseigne au collège Tiandoum. Et ils ont pris l'option d'un développement numérique de la structure pour joindre tout le monde, puisqu'on travaille sans argent, sans aucun moyen. Et le site qui a été créé, je crois, suscite pas mal d'engouement, même à l'extérieur, de gens qui sont prêts à aider le CAEDU. Mais j'ai bon espoir. Ils vont travailler avec des moyens que nous, on n'a jamais eus. Le bilan, c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans mon livre, montrer... Je ne parle pas de moi, hein, je parle de ce que nous avons fait en équipe. Et je pense que c'est indispensable, l'éducation aux droits humains. On a travaillé pendant plusieurs années avec les scouts, et ça les a vraiment aidés à prendre conscience de la valeur de l'être humain, d'abord. Avant même de parler de foi ou de religion, un être humain, qu'est-ce que c'est ? On travaille beaucoup avec l'Observateur des prisons, qui a été créé pour supprimer la torture dans les prisons. On a un de nos membres qui m'a remplacé là-bas, puisqu'on fait partie du comité de veille, et ils viennent d'embaucher un des membres du CAEDU, qui est juriste, et qu'ils apprécient beaucoup. Parce que moi, quand je suis arrivée, mais le traitement des prisonniers, c'est pas possible. À la rue de Tiong, les tortures étaient... Il y a même des gens de Liberté 4 qui ont eu leurs enfants torturés, mais... Approcher les plus pauvres. Je crois que c'est la seule solution. J'ai été vraiment... profondément peiné de voir les enfants, par exemple, cancéreux. Je ne savais pas qu'on naissait avec le cancer. Il y a à l'hôpital de Dantec des jeunes de Baobab qui s'occupent des jeunes cancéreux. Il y en a 400 chaque année, les enfants entre 0 et 8 ans. Personne n'est volontaire. La pauvre Philomène, elle a tapé partout. Elle commence simplement maintenant à arriver à trouver des jeunes qui commencent à s'intéresser. Bon, malheureusement, avec le confinement, tout est arrêté. Mais apporter de la joie à ces enfants qui vont mourir. Ceux qu'elle encadrait l'année dernière, ils sont tous morts. Il n'y en a que deux qui restent, mais qui vont mourir dans peu de temps. Un soutien au moment. Donner à servir le petit déjeuner à ces enfants-là, les faire jouer, les sortir un peu de leur marasme et de leur angoisse, hein. Leur faire vivre quelques instants de vie normale à des enfants.
Eh bien, c'est très difficile. Et dans sa paroisse, elle a vraiment beaucoup de mal. Elle est arrivée à faire venir sept prêtres, sept jeunes prêtres, à qui elle a fait visiter le service l'année dernière. Bon, on s'intéresse à des orphelins, par exemple, les enfants de la Médina, là, tout le monde va là-bas. Mais les enfants malades, au CTO, par exemple, les enfants qui sont privés d'école ou l'école à l'hôpital, là, c'est très difficile de trouver des volontaires. Et ce sont ces gens-là qui ont besoin d'espérance et de joie. D'abord, la joie. Moi, à l'époque, j'avais des œufs qu'on m'amenait de Kerguelen. Bon, maintenant, avec le confinement, les sœurs ont arrêté. Mais tous les jeudis, les enfants avaient des omelettes. Ils attendaient vraiment l'omelette. Je gardais des œufs qui étaient invendus. Et les enfants eux-mêmes disaient « Demain, c'est l'omelette hein. ». Ils attendaient cette omelette avec... Non, il faut que les chrétiens s'engagent vraiment dans la justice. Au niveau des maisons de justice, on ne trouve pas de chrétiens. Il y a des maisons de justice qu'on a créées un peu partout. Bon, la JS fait ce qu'elle peut, mais il manque de bras. Hein. Moi, combien de fois je suis allée parler à des jeunes dans les chorales ou n'importe au niveau des martyrs, mais... Quand ils nous écoutent, ça va, mais il n'y a aucun suivi. Ils ont d'autres objectifs. Et c'est dommage. Je pense que les écoles catholiques ne jouent pas assez leur rôle sur ce plan-là. Au niveau de la justice, du respect de l'être humain, de la dignité humaine, on est beaucoup plus préoccupé par les résultats aux examens que la formation humaine. Je me rappelle comment est-ce qu'il s'appelait l'évêque, le curé de la cathédrale, Adolphe. Quelque temps avant de mourir, il m'a dit, tu vois, ce que nous on faisait là avec les scouts quand on allait dormir sous la tente avec eux, maintenant plus aucun jeune prêtre ne veut le faire. C'est pas évident, hein, le mariage. Ça demande beaucoup, beaucoup de préparation et d'accompagnement, surtout. Elle, par exemple, elle est bien placée pour vous le dire. Ça fait combien d'années qu'elle est mariée. On n'a jamais pu trouver un prêtre qui accompagne des gens comme elle, qui sont chrétiennes et qui ont épousé des musulmans. J'ai demandé à combien de prêtres, ils me promettent, mais il n'y a rien à faire. Les pirogues, alors c'est encore autre chose. C'est un problème de sous et d'argent, c'est tout. Allez voir au village de Yoff le nombre de gens qui ont construit des immeubles en vendant leurs pirogues. Ils ont récolté des millions et des millions. Moi, c'est en Mauritanie que j'ai pris conscience de l'aspect financier de ce problème. Il y en a qui ont bâti des fortunes avec ces jeunes qu'ils ont envoyés se périr en mer. Non, c'est scandaleux. Mais il y a tellement de choses à faire en Afrique. Pourquoi aller en Europe? Pour des gens qui n'ont aucune formation, aucune qualification, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, il faut arrêter. On avait reçu des Allemands, je me rappelle, à la fondation Adenauer, une année, là, les députés allemands qui étaient venus nous interroger. Moi, j'ai pris la parole, je leur ai dit « créer des écoles de formation professionnelle, de qualification professionnelle, c'est ça qui manque. » Il n'y a rien entre l'analphabète et l'ingénieur, il n'y a rien. Cherchez des ouvriers, vous en trouverez, la plupart sont analphabètes. Ce n'est pas normal. Les Canadiens, là, le Sacré-Cœur, c'était fait pour une école professionnelle. Bon, finalement, ils ont fait un collège général. Après, on nous a dit, bon, le terrain, là où il y a l'église, c'est fait pour un lycée professionnel. Bon, ils ont construit une église implantée au milieu du terrain, plus moyen de faire quoi que ce soit. On n'a jamais pris au sérieux la formation, la qualification professionnelle des jeunes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça, l'Église a une grande responsabilité dans ce domaine-là et qu'elle ne met pas en valeur.
Rendre grâce, parce que j'ai eu la chance de vivre beaucoup, beaucoup de situations que je n'avais même pas prévues et que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris. Et surtout que les gens se battent pour la justice. Que la paix vraiment règne. La paix et la justice. Moi, j'ai fait avec les moyens que j'avais, très peu de moyens, mais finalement, Dieu a fait de grandes choses à travers moi. Je ne peux que rendre grâce quand je vois le chemin parcouru, tous les gens rencontrés, les gens transformés qui ont cheminé avec moi. On a cherché. J'ai jamais imposé mes idées à personne, mais on a cherché ensemble et on a trouvé des solutions. Et quand je vois des villages comme ce qu'elle me disait ce matin, là, qui ont complètement évolué avec des gens qu'on a formés, ça fait plaisir. On a essayé de rapprocher les gens à travers le Sénégal. Chaque fois qu'on faisait des formations, on prenait des gens de toutes les régions pour leur apprendre à travailler ensemble. Et actuellement, on a quand même plus de 500 personnes à travers le pays ou l'Afrique qui ont pu cheminer avec nous. Hein? Qui m'ouvrent les bras et qui me disent « Bon, t'as bien travaillé. » C'est ce que mon frère m'a dit quand j'ai publié ce livre. Il me dit « Toi, au moins, tu te présenteras pas les mains vides devant Saint-Pierre. » J'ai dit « C'est pas moi seul. » Non, c'est pour ça que je pense que l'éducation est fondamentale. Parce que tout ce que j'ai pu faire, le peu que j'ai pu faire, c'est grâce à mes parents et surtout mon papa qui m'a, italien, bon, qui m'a donné la joie de vivre et l'ouverture à l'autre. C'est très important. Ma porte est toujours ouverte, même si mes enfants respectent. Je ne peux pas vivre fermée. Et il me disait toujours, si on ne rend pas service, ça ne sert à rien de vivre. Et ça, c'est une consigne que j'ai gardée toute ma vie.